Alors pour pouvoir faire le graphique, j'ai besoin de la répartition des bovins, des poules en 2014 et pour 4 régions. Bah, je vais faire une table dynamique qui va me donner ça. Donc je prends mon tableau. Donc je prends ma table dynamique. Alors, il nous faut quoi? Donc on est en 2014. Donc 2014. J'ai mes régions. Je vais en choisir 4 régions. Donc 4 régions. Et je prends mes séries. Et donc les séries. Donc je colle ça en dessous. Faire une feuille en plus. Donc là j'ai absolument tout. Donc moi je veux pas tout ça. Donc j'ai dit je veux quoi? Les bovins et les poules. Donc total des bovins et total des poules, poulets, poulettes, etc. Okay, donc ça me fait ces valeurs-là et uniquement pour 4 régions. Donc pour 4 régions, donc j'ai pris la base Normandie, centre Val-de-Loire, j'ai pris la Haute Normandie et j'ai pris aussi Pays de Loire. Ok, donc voilà mes valeurs. Maintenant je vais faire mon graphique. Je sélectionne mes données, je prends pas le total. Je sélectionne mes données, donc ça me donne quelque chose qui ressemble. Donc suivant, mes données. J'ai besoin de mettre un titre, donc répartition des bovins. Donc répartition. Des bovins, poules, poulets, poulettes. En 2014. Je n'ai pas de légende, j'enlève ma légende. Terminé. Donc voilà notre le graphique pour l'instant. Donc moi j'ai besoin de quoi en plus? Je veux deux axes secondaires. Je veux plutôt un axe secondaire. Donc insertion. Donc je sélectionne mon graphique. Insertion axe Y secondaire. Ok. Et les colonnes rouges doivent être liées à cet axe. Donc je clique bouton droit. Formater les séries de données et axe Y secondaire. Donc voilà quelque chose qui commence à ressembler. Il faut que mes bâtons soient les uns à côté des autres. Donc là, j'ai oublié de cocher afficher les barres côte à côte. Donc ça y est, on a à peu près ce que je veux. Ici, je veux que ce soit écrit en bleu, du même bleu que celui-là. Donc si vous voulez avoir exactement le même bleu, si vous faites formater les séries de données, donc si vous faites zone, donc là le bleu vous voyez qu'il est en 0,64 134, donc rouge vert bleu 0,69 0,69 134, donc vous notez ça quelque part. Et donc mon axe je le veux pareil, donc je clique sur mon axe, bouton droit, formater l'axe, donc effet de caractère, couleur personnalisée. Donc on a dit que c'était 0,69 134. Ok, on va faire pareil de l'autre côté pour avoir le pour en rouge. Donc j'ai dû insérer des titres. Donc on va insérer le titre. Donc j'ai mis en axe Y celui-là, j'ai mis les bovons. Ben, ça va être les bovins plutôt. Donc bovin en milliers de têtes, en nombre de têtes, donc bovin en nombre de têtes, et sur l'axe Y secondaire, axe Y secondaire, j'ai mis poule poulette. Poulette, et là j'ai mis en milliers de têtes. Ok,
Ok, je veux que ce soit écrit en bleu, du même bleu. Donc je clique bouton droit, formater le titre, automatique, gestion personnalisée. Et là, on a dit qu'on était en 0,69, 134, 0, 69, 134. Ok, j'ai dû vous dire que je voulais que le titre. Donc pareil, le titre, on peut le mettre comme vous, formater le titre. Je le voulais en titre en 20, donc police. Là, il suffisait de mettre en 20. On regarde le rouge, formater les séries de données pour avoir les valeurs du. Donc notre zone, donc ici on est en 255, 66, 14. Et on va écrire ces mêmes valeurs sur l'axe. Donc formater l'axe, effet de caractère, automatique, couleur personnalisée, 255, 66, 14. Ok, donc on peut peut-être faire l'étiquette en même temps. Non, on va pas pouvoir faire l'étiquette en même temps. Ok. Est-ce que j'avais mis la ligne aussi, donc on aurait pu très bien prendre la ligne aussi, donc formater l'axe. La ligne, j'avais dû la mettre en rouge aussi. Donc vous pouvez reprendre le rouge qui est là, c'est parce que c'est bien celui que je viens d'utiliser. Et mon titre. Formater le titre. Effet de caractère. Et c'est toujours pareil. Hop. 255, 66, 14. Et voilà le graphique que je vous demandais.